Le streamer français, Papsan, se souviendra de son passage à Bruxelles. Alors qu'il se filme en direct dans les rues de Saint-Gilles, devant des milliers de spectateurs, l'influenceur subit une agression. Il s'apprête à se prendre en photo avec un abonné, quand un homme s'empare violemment de son béret de la marque Prada. Les spectateurs, médusés, assistent à la course-poursuite entre le streamer et l'individu. L'homme semble avoir été brièvement rattrapé par Papsan et les personnes qui l'accompagnent. La vidéo montre que l'individu a laissé tomber un couteau de poche plié. Plus tard, toujours en direct, Papsan s'adresse à des agents de police qui l'ont invité à rentrer dans le véhicule. Le live se clôture alors que la police et le streamer tentent de retrouver l'agresseur. En fin de journée, Papsan a tenu à rassurer ses abonnés sur X, « J'ai quelques égratignures, l'écran de mon iPhone 14 est brisé, mais par la grâce de Dieu je vais bien », déclare-t-il. Le streamer annonce même avoir récupéré son béret qui lui avait été volé. En revanche, il annonce « Je ne reviendrai pas de sitôt, bien qu'il n'ait fait que des belles rencontres à Bruxelles ». Papsan est connu sur Internet pour ses balades diffusées en direct sur la plateforme Twitch. Il est suivi par près de 370 000 personnes sur l'application.